promesses de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous vient des Saintes Écritures. Il nous rassure en nous disant ceci, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Amen. En même temps, il nous exhorte en nous disant ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la possession de notre espérance, car celui qui l'a faite, la promesse, est fidèle. Amen. Je vous invite donc, frères et sœurs, à vous lever une fois de plus pour rendre grâce à notre Seigneur en chantant le cantique Bassa 233, Boulou 171. Sur les ailes de la foi 534 et ATG 35.
Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.